Embarquez avec moi sur la semaine cantalienne, 9 jours de course. 458 tours de circuit. Avec mon équipier, on va faire plusieurs podiums. Deuxième de cette épreuve. J'ai un podium en 2020. Ça y est. On va réussir à se placer au classement général, malgré les chutes. Gage ! Les échecs. On a réussi à se battre jusqu'à la fin pour aller chercher les meilleurs résultats possibles. Bien, Quentin, merci. Venez avec nous sur cette semaine cantalienne, c'est parti. Bon les amis, aujourd'hui il fait extrêmement chaud, je sais pas si vous le voyez, mais ça coule carrément, il fait vraiment très très chaud. Donc ça va avoir vraiment une grosse importance, apparemment demain encore plus d'ailleurs. Donc aujourd'hui on a un parcours qui fait 1 km et quelques, ça va revenir assez vite. Et on a une côte qui a l'air quand même sympa, elle a pas l'air très très pentue, donc j'espère que ça va me correspondre. Bon il n'y a pas de raison, hein, on va pédaler, les jambes sont là donc... C'est parti pour la 8ème des 9 étapes de la semaine cantalienne, une étape qui va se courir en 45 tours, 70 km, en peu près 1h40 de course, mais surtout un circuit vallonné, 850 mètres de dénivelé, mais plus facile que les jours précédents. Et ce circuit, il me correspond bien. Les routes sont belles, le circuit est pas trop sinueux, ça monte, mais pas trop. Globalement, le circuit me plaît. La côte, elle est quand même assez dure. Et là, vous pouvez le voir, on est déjà dans la côte sur ce premier tour. Et globalement, plus on va la passer vite, plus elle va me correspondre. C'est vraiment un effort qui correspond à un gabarit plutôt puncher. Et pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui me correspond bien. Je me découvre un petit peu en tant que puncher sur ce genre d'épreuve. Parce que quand ça monte trop, ça va pas. Quand c'est trop plat, c'est trop simple. Donc ce petit entre-deux, 850 mètres de dénivelé, c'est juste parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à avoir un peu de réussite. D'ailleurs, petite frayeur dans le premier tour, regardez le bonhomme en vert, il va taper la pédale dans le trottoir, regardez, ça va pam. Et là, en vrai, même si ça semble insignifiant à la caméra, quand t'es en course et que ça fait 700 mètres que t'es parti, ça fait toujours peur. Et ensuite, on enchaînait avec un gauche-droite assez violent, hein, pour le coup, quand on arrivait vite, c'était vraiment de la moto GP. Tu sais, tu balances le vélo d'un côté, puis de l'autre, et après, bam, la giga relance. Donc ce virage-là, c'était un petit peu le virage dangereux du circuit, tout le monde le sait de toute manière, donc on va faire attention et on va rester sur le vélo. Pendant les premiers tours, je vais décider de rester au chaud, plutôt à l'arrière du peloton, parce que sinon, j'ai tendance à faire trop d'efforts en début de course et plus capable de les faire au moment décisif. Donc là, je reste un petit peu au chaud. De toute façon, à droite, il y a le maillot jaune. À gauche, il y a le troisième du général avec le numéro 32. Globalement, je me dis que tant que eux, ils sont autour de moi, c'est que tout va bien. Si jamais ça sort, ils rouleront pour ramener quoi qu'il arrive. Donc je reste concentré. J'essaye de faire le moins d'efforts possible. Et de toute façon, dans l'ensemble, je me sens très très bien. Sur la course, je vais faire seulement 151 BPM de moyenne. Alors c'est bien sûr lié à la fatigue. Plus ça va, plus mon cœur il a du mal à monter parce que bah, je suis fatigué. Mais ça prouve quand même que je me sens en forme. Je suis à 145 BPM au pied de la côte. La côte, elle se monte bien. On l'a montée entre 400 et 600 watts dans les pourcentages les plus difficiles. Et en moyenne, on l'a montée en 40 secondes. Et c'est typiquement un effort que j'aime bien finalement. C'est dans le sixième tour que je vais commencer à me replacer à l'avant du peloton. Tout simplement parce que c'est sorti un par un. Et petit à petit, il y a une échappée qui est en train de se construire à l'avant du peloton. Donc là, je me dis, oula, danger, il y a plus d'une quinzaine de coureurs qui sont sortis et je suis pas dedans. Nathan non plus, il traîne à l'arrière du peloton pour l'instant pour se remettre un petit peu de la course d'hier qui pour lui a été très difficile. Moi, l'avantage c'est que j'ai pas fait toute la course donc je suis frais, j'ai gardé beaucoup d'énergie par rapport à la veille. Et là, je me dis ok, ça sent quand même vachement mauvais, il y a 15 mecs devant et je suis pas dedans. Et le maillot jaune, il va se dire la même chose. Il est à côté de Nathan à ce moment-là de la course, et lui, il va décider de remonter le peloton, il va passer sur la gauche de la route, et au même moment, moi, je vais décider la même chose. Et au moment où je me mets debout sur mes pédales, le maillot jaune passe devant moi, du coup je me retrouve dans sa roue, et j'ai plus qu'à le suivre. Et quand il démarre le moteur, le maillot jaune, vous l'avez compris depuis les étapes précédentes, il est extrêmement fort, et c'est pas pour rien qu'il porte le maillot jaune. Donc là, quand il va décider à rouler, et bah ça va rouler, donc je me dis ok Quentin, on va serrer les dents, regardez je suis déjà à 175 BPM, ça roule très fort, il faut impérativement que je tienne sa roue et vraiment ne pas la lâcher, c'est impératif. Derrière
C'est à la queue leu-leu, file indienne, tout le monde est à bloc parce que ça roule très très fort. Regardez, j'ai plus de 500 watts juste pour rester au contact de sa roue. Et lui, il a un seul objectif dorénavant, et bah, c'est revenir sur l'échappée. S'il revient tout seul, ça l'arrange parce que comme ça, il fera partie de l'échappée. S'il ramène tout le monde, il s'en fout. Il est maillot jaune, leader de la course. Et dans l'échappée, il y a des gens dangereux au classement général pour lui. Donc c'est impératif pour lui qu'on revienne sur l'échappée. On est déjà revenu regarder sur quelques coureurs qui étaient sortis dans le tour précédent. Mais ce n'est pas l'échappée. Il y a toujours une dizaine, quinzaine de coureurs devant. Donc Emmanuel, lui, il se pose aucune question. Et quand t'es dans la roue d'un mec comme ça, bah, c'est juste parfait, c'est idéal. Il te demande pas de relais parce qu'il sait qu'il est assez fort pour le faire. Et t'as juste à suivre. Et en plus de ça, il est assez linéaire. C'est un peu un diesel et ça correspond parfaitement à mes capacités à moi. Donc là, j'ai plus qu'à rester dans sa roue et à espérer tenir. Et au même moment, ce qui va se passer, c'est que derrière, ici à peu près, à cet endroit-là dans la course, il y a une grosse cassure. Personne n'a pris la roue de moi et du maillot jaune. Alors ça n'a aucun sens, Nathan, lui qui était mal placé, il peut rien faire, il peut pas faire le jump, il peut pas revenir sur nous, et il était outré, il se dit mais comment c'est possible que le peloton laisse partir le maillot jaune comme ça, sans qu'il attaque, juste au train, en facteur, linéaire, le peloton laisse partir le maillot jaune. Et il se trouve que dans ce move, eh ben, je suis le seul qui est dans sa roue, je me retrouve dans une position juste parfaite. Alors il y en a 3-4 qui vont quand même sortir du peloton et revenir sur nous. Du coup là on était à peu près à les 5-6 dans la roue du maillot jaune. Ça fait 2 tours et demi qu'il est en train de rouler devant le peloton. Donc forcément au bout d'un moment il commence à faiblir un petit peu. Il a besoin de souffler donc il va me demander un relais. Et même si ça me fait peur parce que sincèrement juste être dans sa roue c'est déjà très difficile. J'ai un petit peu peur de lui prendre des relais. Je me dis que c'est quand même un risque. Je vais lui prendre un relais plus symbolique qu'autre chose. Il va être très court, mais ça va lui permettre de souffler et de pouvoir reprendre derrière un énorme relais. Ce qui nous amène 3 tours plus tard dans la côte du circuit. Regardez, je suis à plus de 600 watts au chaud dans sa roue. Donc imaginez la puissance qu'il dégage pour nous faire rentrer. Et ça y est, on revient au contact de l'échappée. On a fait le jump, on est passé du peloton à l'échappée. On a dorénavant 28 secondes d'avance sur le peloton. Et on est à peu près une vingtaine au sein de cette échappée. Alors certes, c'est quasiment un tiers du peloton initial, c'est énorme, on est super nombreux dans ce groupe d'échappés, mais surtout dans cette échappée, il y a tous les favoris au général, sauf Nathan qui est 7ème du général, et Louis qui était, il me semble, 4 ou 3ème après sa victoire de l'étape numéro 6. Donc autant vous dire que là, il manque juste ces deux coureurs-là, qui vont d'ailleurs tout faire pour essayer de revenir sur nous, mais nous, on est dans les meilleures dispositions possibles. On a tous les leaders qui vont devoir rouler et s'attaquer entre eux, et nous, on n'a qu'une chose qui nous reste en tête, c'est la victoire d'étape. Et pendant ce temps-là, Nathan, derrière, il est dans une situation catastrophique. Il y a 20 mecs devant, il y a tous les leaders du classement général, sachant que Nathan, lui, il est plutôt là pour le classement général, avec seulement Louis comme allié d'infortune. Et à deux, ils vont tout faire pour essayer de revenir sur l'échappée. L'échappée qui est maintenant quasiment un peloton, finalement. Et malheureusement, ils ont beau insister, derrière, ils vont se relayer pour revenir à chaque fois sur Nathan et Louis, qui vont pas réussir à faire la différence malgré leurs nombreuses tentatives. Ce qui fait que petit à petit, Nathan va finir par se décourager et se dire « Bon, bah, c'est mort, il y en a plus de 20 devant, ça sert plus à rien de faire la course finalement vu que les 20 premiers marquent des points pour le classement général. » Moi, pendant ce temps-là, je me suis repassé plutôt à l'avant de l'échappée parce qu'en fait, on est tellement nombreux qu'il peut y avoir des cassures et ça peut ressortir. D'ailleurs, ça y est, Emmanuel se remet à rouler à l'avant de l'échappée et l'a compris, ils ont piégé 2 coureurs du général à l'arrière. Ça fait 2 adversaires qui sont débarrassés complètement. Et pour lui, je pense que c'est quand même intéressant que ce groupe d'échappés de 20 coureurs aille plus ou moins loin. Donc il va se mettre devant le peloton et il va rouler comme ça devant le peloton pour tout le monde. Alors qu'il n'a pas forcément d'équipier, c'est un coureur qui était venu seul. Il va rouler et il ne va pas trop se poser de questions, il va juste nous faire mal aux pattes. Pour ma part, je reste lucide. Je vais m'hydrater un maximum, m'arroser, prendre des bidons. D'ailleurs, merci aux abonnés qui m'ont donné des bidons. Vraiment, ça m'a sauvé la vie. Et je reste concentré, je m'alimente. Parce que je le sais, on n'est qu'à 27 minutes de course. Il nous reste encore 1h20 de course. Et même si j'ai réussi à prendre l'échappée, et ce, pour la première fois de l'année quasiment, eh bien, on est encore 20. Et c'est une échappée, certes, mais 20 coureurs, c'est quasiment un peloton. Donc là, il y a quasiment tout qu'il y a encore à faire. Même si on s'est débarrassé d'une 40aine de coureurs, la gagne, elle est encore très très loin. Nathan, derrière, il a
une minute de retard. Il est toujours dans le peloton et il essaye une nouvelle fois de faire le forcing avec Louis pour essayer de sortir de ce peloton. Peut-être sortir à deux pour après réussir à revenir sur nous. En vrai, nous, ça roule, c'est linéaire, mais ça roule pas si fort que ça. Il y a un monde où ils réussissent à rentrer, mais malheureusement, le peloton en décide autrement. Ils veulent pas les laisser sortir. Et vraiment, là, ils se retrouvent dans une situation compliquée où soit ils ramènent tout le monde et du coup, bah, ils me condamnent un petit peu mon échappée à moi, soit bah, ils laissent tomber et ils attendent un peu plus tard. Du coup, il va choisir cette option, il va reposer les armes et attendre un petit peu. Et maintenant qu'on a une minute d'avance, que l'échappée, elle est quand même plutôt pérenne, ça y est, ça commence déjà à se désorganiser parce que forcément, on est trop nombreux. Ça va être une ribambelle d'attaques une après les autres. Et regardez, la première attaque, directement, le maillot jaune s'y intéresse pas trop. Il n'y a pas de leader au classement général. Et là, je me dis, ok, ça peut être intéressant. Peut-être qu'ils vont laisser partir ces 5-6 coureurs-là. Vu que personne au général n'est dangereux, ils vont peut-être les laisser partir. Donc là, j'essaye de faire le jump. Je reviens directement dessus. Ça prouve que quand même, je suis très en forme aujourd'hui. Et ça me rassure un petit peu. Je me dis, ok, bonne journée aujourd'hui. Ça promet quand même de belles choses. Donc j'essaie de rester concentré. Malheureusement, le reste de l'échappée ne va pas nous laisser sortir. Alors ça, c'est dommage. Parce que pour le coup, ça aurait été une situation vraiment idéale d'être un plus petit comité à l'avant de la course. Mais bon, il y a quand même une victoire d'étape à aller chercher, donc le reste de l'échappée ne va pas nous laisser partir aussi facilement. Et moi, étant donné que c'est l'une de mes toutes premières échappées, déjà la première chose que je souhaite, c'est que cette échappée elle aille au bout avant d'essayer de jouer le podium ou la victoire. J'aimerais vraiment déjà pouvoir aller jouer cette victoire en restant dans l'échappée. Donc j'essaie un petit peu d'organiser ce groupe d'échappée qui est complètement désorganisé après cette première attaque. Essayer de faire tourner des relais, mais comme vous pouvez le voir, c'est un peu compliqué à instaurer. Il y a trop de monde dans cette échappée, et il y a surtout trop de beau monde. Plein de clubs qui sont surreprésentés, tous les leaders du classement général sont quasiment là, vous le comprenez. Il y a plein de gens qui n'ont pas forcément d'intérêt à rouler, et pour le coup, moi le premier. Faut mieux que je reste au chaud, mais j'ai quand même ce petit stress de me dire, ouais, le peloton derrière, j'ai pas envie qu'il revienne, j'ai pas envie qu'on reparte à zéro, j'ai pas envie qu'on remette toutes les cartes à zéro, donc vraiment, j'ai ce petit stress là, j'ai envie que cette échappée elle aille loin. Et je suis très concentré parce que dès qu'il y a des mouvements vraiment dangereux, comme ici le coureur en bleu de Gironde qui a fait des très très bons résultats depuis le début de la semaine, il attaque, je suis focus, j'accompagne les attaques et je reste vraiment concentré. J'essaye de pas me faire avoir, de pas prendre de cassure bête et je pars du principe que même si je suis en échappée, c'est comme dans un peloton, on est 20, il faut pas se faire avoir, il faut rester placé au sein de cette échappée tout en ne prenant pas les relais pour pas faire des efforts inutiles. C'est un petit peu complexe, mais ça se fait bien. À l'arrière, Nathan a toujours une minute de retard dans le peloton et là, il commence à se dire que c'est mort. Globalement, ça s'organise pas, il se rend compte que ça va être compliqué. Il a pas forcément des très bonnes jambes parce que bah, la veille, il a fait quand même un sacré exploit avec quasiment la totalité de la course en solitaire, en petit comité. Donc évidemment, il est un peu plus fatigué et là, il va dire à Louis, bon, là, ça pue, j'ai envie d'arrêter, ça, c'est chiant. Enfin voilà, il était dégoûté de sa course. Donc là, il est dans un mauvais mood, il a envie d'arrêter et regardez ce qui va se passer devant lui. Bon là, Nathan, il est passé à deux doigts de la catastrophe. Clairement, il était vraiment à deux doigts de partir à la faute, se prendre le mur. Et d'ailleurs, il y en a deux, trois qui ont failli se prendre le mur. On va refaire un petit replay sur cette chute. C'est assez impressionnant. On comprend pas trop ce qui se passe. Et si on analyse vraiment image par image, on se rend compte que du coup, le coureur pédale un tout petit peu trop tôt dans le virage, ce qui fait que la pédale tape le sol, fait décoller sa roue arrière et derrière, bon, et ben, il passe par-dessus le vélo, il retombe sur le dos, les gels, ils explosent et les coureurs qui sont derrière lui doivent l'éviter d'urgence et pas se prendre le mur avec le ballot de paille. Heureusement, pas plus de dégâts que ça, un seul coureur est tombé. Ce coureur-là, d'ailleurs, il va rester sur le bas-côté pendant toute la course et il se trouve que j'ai eu des nouvelles de lui, il a absolument rien du tout, rien de cassé. Et c'est assez incroyable parce que quand tu vois la violence de la chute, tu te dis, waouh, il doit s'être classé la clavicule, les côtes, je sais pas. Et en fait, non, il a rien du tout, donc tant mieux. Et nous, pendant ce temps-là, à l'avant, ça fait que d'attaquer. Bah là, je vais accélérer un petit peu et vous les afficher un petit peu à la chaîne, mais ça a été le grand prix des attaques. Chacun leur tour, tout le monde a placé une petite accélération. Et quand c'était des coureurs du général, forcément, c'était encore plus dur parce que là, tous les autres coureurs du général s'affolaient un petit peu pour revenir dessus. Quand c'était des coureurs qui sont pas placés au général, c'est les autres coureurs pas placés qui essayaient d'y aller parce que bah, y a la victoire d'étape à aller chercher. En bref, là, c'est soit ça roule très très fort pour suivre les attaques, soit ça roule plus trop. Et moi, je reste hyper focus.
J'essaye de pas trop prendre de cassures. J'analyse les coureurs autour de moi. Et là, on va mettre un tour à un groupe de lâchés. Et c'est là qu'il faut pas se faire avoir parce que du coup, ils se mélangent un petit peu avec nous et ça va créer des cassures. Et là, faut pas se faire avoir parce qu'à la vitesse à laquelle on route, on peut vite prendre des trous, comme ici par exemple. Donc je reste concentré. J'essaye de pas me faire avoir, ne pas prendre la roue d'un mec à un tour de retard pour pas prendre de cassures bêtes. Et je continue d'analyser un petit peu autour de moi. Je me rends compte qu'il y a trois clubs qui sont surreprésentés. Alors on a le club blanc, jaune et noir juste devant moi. Alors c'est le club Morsois, donc un des clubs locaux. Donc ils sont très nombreux et apparemment ils ont des sprinteurs dans l'équipe qui sont avec énormément de victoires. Donc quand tu vois qu'ils sont 5 dans l'échappée, ok, ils vont être dangereux. Ensuite, il y a le coureur juste devant moi ici, en rouge et jaune, qui était d'ailleurs échappé avec Nathan la veille. Donc le club de Saint-Etienne, ils sont pareils, 2-3, c'est que des petits juniors qui ont l'air assez vigoureux. Donc pour le coup, c'est un club à faire attention. Et pour finir, il y a un autre club qui est bien représenté, c'est le club d'Issoire, une DN3, donc ça prouve que déjà c'est une belle team. Et en plus, à leur tête, il y a Paulin qui est actuellement, je pense, 3e du général, c'est lui qui a porté le maillot jaune sur les premières étapes. En bref, ils sont 2-3 aussi, et bah, ils sont très très forts. Donc je me rends compte que comme ça, il y a quelques clubs un peu au-dessus du lot. Il y a 2-3 coureurs aussi, seuls, comme le mec de Gironde avec son vélo rouge, et Emmanuel Cognier avec son maillot jaune. Et bien voilà, j'ai fait un petit peu le tour, je sais qui faut accompagner et qui est moins intéressant à accompagner en cas d'attaque. Je continue de m'hydrater, d'ailleurs là je vais louper un bidon, mais heureusement au tour suivant je vais réussir à le récupérer. Et ça continue de rouler vite, mais je me sens vraiment bien. J'attaque la côte à chaque fois autour de 140 BPM, je finis en haut autour de 160, je me sens facile, j'ai le souffle facile, les jambes elles vont vraiment bien. Quand faut envoyer des gros watts pour suivre dans la côte ou les attaques, et ben, j'arrive à envoyer des gros watts, et là je commence à me dire ok, faut pas que je me loupe. Je pense qu'aujourd'hui c'est le circuit idéal pour faire mon tout premier podium en Open 1. C'est pour ça que quand il y a des coureurs qui vont attaquer, qui sont vraiment forts, comme ce coureur-là par exemple, je vais essayer de les suivre, sauf que malheureusement, il va dérailler. Et du coup, vu qu'il déraille, il attaque un petit peu à contre-temps, ça prévient un peu tout le monde qu'on attaque. Et du coup, quand je vais prendre sa roue, quasiment tout le monde va nous prendre la roue. Je vais quand même essayer de le contrer en plaçant une accélération dans la côte. Regardez, je suis à plus de 800, 900 watts. Là, je passe quand même une belle accélération et ça va me permettre de me tester, voir un petit peu comment sont les jambes, comment ça rend, comment je subis la côte si je veux la monter à bloc. Donc là, je me rends compte que les jambes sont bonnes. Je me retourne, je vois que derrière, j'ai fait quand même un petit écart. Je me dis, ok, là, il me laisse pas partir parce que, bon, il reste 15 tours à parcourir. Mais par contre, je sais qu'il y a quelque chose à faire à cet endroit-là. On est dorénavant à moins de 10 tours de l'arrivée. On va faire un petit topo sur la configuration de la course. Il y a 2 coureurs qui sont échappés. Effectivement, suite à toutes les attaques des leaders du classement général, à un moment, il y a Paulin de Club d'Issoire qui a fait une grosse, grosse attaque qui a fait mal à tout le monde. Et du coup, bah, les leaders du classement général ont ramené tout le monde, sauf que du coup on s'est fait contrer par un autre coureur d'Issoire qui lui n'est pas placé au général, donc pas un danger pour le maillot jaune, et du coup ils l'ont laissé partir. Donc quand j'ai vu qu'il est parti tout seul, je me suis dit ok, tout seul, autant de kilomètres tout seul, ça va être très très long, vas-y, j'y vais pas, je le laisse partir, je vais pas m'affoler et je garde mon énergie pour la fin de la course. C'était un petit pari risqué. Il se trouve que derrière il y a le mec de Gironde qui est parti avec lui, ils se sont retrouvés à deux. Et ils sont très très bien entendus, ils ont pris beaucoup beaucoup d'avance. Donc dans un sens je me dis c'est mort, on reviendra jamais dessus. Va peut-être falloir compter uniquement sur la troisième place si je veux monter sur le podium. Et d'un autre côté je me dis peut-être que ça rentrera avant la fin et dans ce cas-là on pourra jouer la gang. Je me pose plus trop de questions et je me concentre sur la troisième place. Et dans le 38e tour, il y a le club du coup blanc et jaune là de Morsois là qui va s'affoler un petit peu. Je sais qu'ils ont des sprinteurs au sein de leur équipe. Je pense qu'ils se rendent compte que la course est en train de leur échapper avec les deux coureurs qui sont devant. Et du coup, ils vont mettre des coureurs à rouler à l'avant de l'échappée. Effectivement, ils sont 4 ou 5 dans l'échappée. Ils peuvent bien sacrifier un ou deux coureurs à l'avant du groupe pour essayer de revenir sur les deux fuyards. Donc moi, ça m'arrange. Ça veut dire que là, il y a l'échappée qui va garder un rythme rapide. Ça va empêcher les autres coureurs d'attaquer. Donc moi, ça m'évite de faire des efforts, et plus on se rapproche de l'arrivée, plus j'ai des chances d'aller chercher un bon résultat au sein de cette échappée. Donc encore une fois, là je me retrouve dans une situation qui est juste idéale pour moi. 5 tours de l'arrivée, de toute façon maintenant, globalement, je vais rester placé dans les 5-6 premiers toute la course et ne plus bouger afin de ne pas me faire avoir, pouvoir accompagner toutes les tentatives, et je vais rester ultra focus vraiment. J'ai réussi à être hyper bien placé sans faire aucun effort, en prenant aucun relais inutile, et maintenant je le sais. Au sprint massif, je pense que je vais être battu par exemple le numéro 2 du général Lubin. Il faut absolument que je sorte de l'échappée avant l'arrivée.
Et là, il y a une grosse attaque devant moi, 1200 watts pour les suivre. Il se couche au milieu de la côte et là, je décide de les contrer. Je place une accélération sur la gauche et là, il se serre sur la gauche. Je suis obligé de freiner, m'arrêter, puis relancer un sprint pour les accompagner. Mais là, clairement, ma tentative d'attaque a été complètement avortée du fait que le coureur s'est écarté vers la barrière. J'ai pas pu passer et du coup, j'ai un petit peu annulé mon attaque. Il reste 4 tours à parcourir et j'aurais bien aimé pouvoir sortir du peloton à 4 tours de l'arrivée. Et là, vraiment, c'était un effort très très conséquent. Regardez, je suis à 180 BPM, quasiment au maximum que je vais monter aujourd'hui. Et je me suis fait mal. Je me suis fait très mal pour accompagner ces deux coureurs. Pour rien, du coup, vu que cette attaque a été un petit peu gênée. Mais là, je pense qu'il y avait vraiment un coup à faire. Vu la vitesse à laquelle j'arrivais, je pense que j'aurais pu vraiment réussir à sortir du peloton. Et on ne saura pas, peut-être aller très très loin jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais maintenant, je le sais, je suis en forme. Il faut que je sorte du peloton avant la fin parce que le sprint massif, je me dis que j'ai peut-être pas la meilleure chance d'aller sur le podium. Il reste plus qu'une seule place sur le podium, vu qu'il y en a deux devant. Si je veux faire troisième, il faut impérativement que je gagne le sprint massif. Donc je me dis que c'est peut-être pas la meilleure solution, on l'a vu depuis le début de la semaine, je suis pas forcément le meilleur au sprint massif. Donc je reste placé à l'avant du groupe, encore une fois, et j'attends le moment propice, le moment idéal pour faire l'attaque décisive. Et je l'espère réussir à sortir du peloton pour aller chercher cette troisième place. Donc je reste focus et je vais essayer de pas me faire surprendre. Mais bien sûr, je suis pas le seul à vouloir aller chercher cette troisième place. Donc regardez, il y a des coureurs qui vont attaquer. Et là, il y a le numéro 2, 1 et tous les clubs morceaux là, qui accompagnent. Eux, j'ai bien compris, ils veulent qu'une seule chose, que ça arrive en sprint massif et qu'ils claquent le sprint. Je crois que le speaker, il a dit qu'il avait beaucoup de victoires cette année, leur meilleur coureur. Donc autant vous dire que ça me faisait peur. Et vraiment, le sprint massif n'est plus une solution pour moi. Donc là, quand ça roule très très fort et que ça commence à vraiment péter de partout derrière, vraiment l'échappée, elle est en train d'exploser. Parce que ça roule très 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 fort. Ça demande énormément d'énergie. On est déjà à 1h30 de course. Il nous reste à peu près 15 minutes à parcourir. Et il va falloir s'accrocher. Parce que c'est le moment décisif de la course. Il faut rester concentré. Tout ce qu'on a fait avant, les 65 km précédents, peuvent être annulés juste par 2 secondes d'inattention. Il faut que je reste focus, concentré. Surtout, il ne faut pas que je me fasse avoir. À 2 tours de l'arrivée, les morceaux continuent de rouler à l'avant du peloton, de mettre un train, ça roule très très vite. Et forcément, ça évite les attaques. Alors moi, ça m'arrange parce que ça évite que les autres attaquent. Mais d'un autre côté, ça me fait un petit peu peur aussi à moi d'attaquer. Parce que je me dis que si j'attaque, derrière, y a les morceaux qui vont rouler. Donc peut-être que c'est pas la bonne solution d'attaquer trop tôt. Parce que derrière, y a 3-4 gars qui peuvent se sacrifier pour revenir sur moi. Donc, j'essaye de trouver le bon moment pour placer mon attaque et espérer aller chercher ce podium. Mais c'est difficile, c'est très difficile parce que je ne sais pas comment gérer la situation. Je suis tout seul, j'ai personne qui peut m'aider à gérer la situation. Je suis tout seul sur mon vélo et il faut que je trouve la bonne solution. Partir, c'est sûr, mais quand ? Et je vais faire quasiment l'entièreté de l'avant-dernier tour dans la roue du coureur morsois juste devant moi. Et là, je me dis, je suis bien placé. Alors certes, là, je fais aucun effort et en plus, je suis en deuxième position. Mais je suis peut-être un peu trop bien placé. Parce que là, si derrière, il y a une attaque, le mec, il arrive lancé, jamais je pourrais l'accompagner. Et j'ai fait l'erreur déjà cette année, par exemple, à Chaland, il me semble, quand j'ai fait quatrième. Eh bien, être trop bien placé trop tôt, c'est pas forcément la bonne solution. Et là, je m'en rends compte, je suis en deuxième position et je me dis, mince. Là, comment je vais gérer la situation? Il nous reste un tour, un peu plus d'un tour à parcourir. Je ne sais pas du tout comment gérer la situation, je vous avoue. Je panique un petit peu et là, je me rappelle d'une chose. Je me rappelle de l'étape numéro 6, donc c'est l'étape où il faisait nuit, où j'ai fait les deux derniers tours tout seul. J'avais fait 4 km tout seul. Et je sais que sur 4 km, j'étais capable d'envoyer des gros watts. J'avais fait des belles stats sur 4 km. Donc là, je relativise et je me dis, ok, Quentin, t'es capable. T'es capable de faire cet effort. Tu l'as fait sur 4 bornes. Et là, on va passer la ligne et il nous reste 1,4 km à parcourir. C'était beaucoup moins. Donc, t'es capable de faire un tour complet tout seul. Donc là, je le sais. Il faut que je place une accélération et il faut que je la place au bon moment dans la côte et je vais attendre le moment où la pente est la plus élevée, c'est-à-dire juste avant le virage. À ma gauche, j'ai le maillot jaune, je savais même pas qu'il était dans ma roue. Je suis juste tellement focus sur mon attaque et ça y est, c'est maintenant le moment décisif. Je place 1352 watts, je mets tout ce que j'ai, je me pose plus de questions. Je me retourne, ils ont déjà 15 mètres de retard. Je continue mon effort, je relance à la sortie du virage et là, faut tout mettre. Je me pose plus de questions, 1,4 km à parcourir. Et j'ai fait le trou, j'ai réussi à faire le truc que j'ai un petit peu de mal d'habitude, c'est-à-dire sortir du peloton. Maintenant, il faut maintenir. Et ça, c'est une autre affaire. Donc là, je vais maintenir 503 watts sur 1 minute 50, c'est-à-dire
544 watts si on enlève les zéros. Donc c'est énorme, j'ai jamais fait des stats aussi grosses sur une durée aussi longue. Donc je vais me mettre minable sur ce dernier tour, je mets tout ce que j'ai, je le sais. Il y a le podium qui est en jeu, je suis à 191 BPM, je suis à bloc, je m'en fous, je donne tout. Je me retourne une petite fois pour savoir où on est derrière le groupe et je les vois plus. Je les vois plus, donc je sais que j'ai pas besoin de prendre de risques dans ce pif paf. Je le prends tranquille, pas de risque, il faudrait pas se foutre en l'air quand même dans le dernier tour. Et là c'est le moment difficile. Faut relancer, et la relance, faut la maintenir le plus longtemps possible, si possible jusqu'au virage d'après. C'est difficile, c'est vraiment très très dur mentalement, mais je l'ai travaillé à l'entraînement. J'ai travaillé typiquement ce genre d'effort, les efforts de 2 à 4 minutes. Ici, on a juste 1 minute 50 à faire. Faut que je m'accroche, je relance, c'est le dernier virage. Une grande ligne droite descendante, et je le sais, un peloton lancé à pleine vitesse pour un sprint massif peut revenir très très vite sur un homme en solitaire. C'est pour ça que je relâche pas, je mets même les mains en bas pour être un peu plus aéro, je mets tous les watts qu'il me reste, plus de 500 watts, et ça y est, c'est le faux plat de l'arrivée, je mets tout ce que j'ai, je lance même un sprint au cas où je me fais avaler, on sait jamais, et là je vais lancer le vélo sur la ligne, et ça y est, je franchis la ligne, en troisième position. Ouais Quentin ! Je fais 3. Ouais, je crois bien. J'ai dit avec la chance que j'ai, il y en a 3 devant. Non, c'est bon, normalement ils sont 2. Moi, j'ai fait comme il y a 2 jours. J'ai dit il y a 2 jours, j'ai tenu 4 bornes. Là, il y avait 1.8. Ça faisait 2 tours, j'hésitais. J'ai dit si ça ralentit j'en mets une. Et j'ai fait l'intérieur là. Oh j'y ai pas cru quand je t'ai vu arriver au loin, je me suis dit c'est lui, c'est pas lui. Je suis parti là moi. Ah oui c'est là. J'étais dans la côte là. Ah oui d'accord. Ah j'étais, mec, j'étais trop bien toute la course. C'était large hein. Ah je me suis mis mal l'ordre. Ah, excellent, trop bien. Et voilà, ça y est, c'est fait. Ah, j'ai un peu de diamant de mes mains. Ça y est. C'est immortalisé. J'attends que ça marque sur le papier mais. Voilà pour, c'est bon. Pour moi c'est bon ouais. Je pense. J'avais assez de boulot d'avance là. Oh putain la vache. Et voilà, ça y est, j'ai mon tout premier podium en Open 1. Effectivement, pour ceux qui me découvrent peut-être avec cette vidéo, c'est la première fois que je vais faire un podium en Open 1. Avant, j'étais Open 2. Cette année, j'ai un petit peu tourné autour avec une 4e place, une 6e place et pas mal de places dans le top 10. Mais j'avais jamais fait de podium en Open 1. Et pour le coup, dans cette vidéo, c'est vrai que tout s'est aligné. J'ai réussi à être dans l'échappée. J'ai réussi à faire mon coup du kilomètre. Et là où j'aurais pu tout perdre, eh bien, j'ai tout gagné. Alors évidemment, il y avait 2 coureurs devant et ça aurait été encore plus beau si ça avait été pour la victoire. Ça reste tout de même une 3e place, la meilleure place que j'ai jamais fait dans ma vie. Donc je suis super heureux. De toute manière, vous l'avez vu, dans les 3 premiers épisodes, j'ai passé mon temps à vous dire que dans la semaine cantalienne, mon objectif principal, c'était de rentrer à Nantes avec un podium. Et ça y est, l'objectif est accompli. J'ai réussi à faire ce pourquoi j'étais venu dans le Cantal. Et qui plus est, à la 8e étape sur 9, donc il y a quand même de la fatigue qui s'est accumulée au fil des jours. Donc c'est vrai que je suis vraiment super content de ce résultat. Je tenais à en profiter pour remercier mon entraîneur, Lilian. Je vous mets le lien dans la description. C'est donc avec lui que je m'entraîne depuis 2 ans. Vous avez pu voir que l'année dernière, j'ai pas mal progressé. J'ai été gagné championnat régional Open 2. Cette année, bon voilà, j'ai fait mon premier podium en Open 1. Donc la progression est constante. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description d'un PDF avec toutes les informations relatives à lui. Donc comme ça, si vous voulez peut-être passer par lui pour vos entraînements l'année prochaine. On est en fin de saison, c'est peut-être le bon moment pour vous décider pour l'année prochaine. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, envoyez-lui des messages en privé sur Instagram. Ou vous pouvez aussi m'en envoyer à moi, je pourrais vous répondre si jamais vous avez des petites craintes. En tout cas, moi je vous le recommande, regardez, ça s'est plutôt bien passé cette année. Et sur ce, on va continuer la vidéo parce qu'il nous reste encore une étape, la 9e et dernière étape de cette semaine cantalienne. Bon, aujourd'hui, il y a plusieurs choses à souligner. Déjà, le premier point, c'est que Nathan n'est plus là. Il est rentré pour des raisons personnelles, donc il ne fait pas cette dernière étape. Clairement, il va vraiment pas falloir louper le bon coup, donc j'espère que je vais réussir à en faire partie. Troisième chose, le classement général, c'est la dernière étape. Les 3 premiers, 4 premiers, voire peut-être même le 5e, peuvent encore espérer finir avec le maillot jaune. Donc il y a une vraie guerre qui s'annonce. Ça fait depuis le début de la semaine qu'ils se tirent la bourre pour le classement général. Il y a une vraie guerre qui va se faire aujourd'hui pour cette dernière étape déterminante. Donc moi, il faut que je joue avec ça, que je profite de leur travail pour le classement général, pour aller chercher, je l'espère, la victoire après la 3e place d'hier. J'espère que je vais réussir à réitérer. C'était déjà la meilleure place que j'ai jamais fait, donc c'est incroyable. Mais si je peux réitérer aujourd'hui, je me priverai pas. En tout cas, le circuit il a l'air beau.
Il est visuellement magnifique. Après, sportivement, est-ce que ça va être un beau circuit? On verra. C'est parti pour cette 9e et dernière étape. Je suis première ligne et j'arrive pas à mettre ma chaussure sur ma cale. J'arrive pas à caler. Et du coup, tout le monde me double. Donc là, j'ai l'air un peu bête. Je finis quand même par réussir à mettre ma cale dans ma pédale. Et du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant, je suis quasiment dernier du peloton. Parce qu'on n'était pas très nombreux, vous avez compris, on était une quarantaine au départ. Et ce qui va se passer, c'est que ça va me porter préjudice pour tout le reste de la course. Parce que c'est un circuit où, pour remonter, c'est un vrai calvaire. Le parcours est ultra sinueux, les routes sont très très peu larges, et il y a énormément de relances, ce qui fait que, bah, quand t'es mal placé, pour remonter, il va falloir vraiment faire un effort très conséquent. Et là, je vais le subir, parce que sur ce début de course, ça va rouler très vite, directement. Et dans ce virage-là en particulier, j'avais du mal. Plus ça allait, mieux ça allait, mais au début, une catastrophe. Je perdais beaucoup de temps dans ce virage-là, et ensuite, j'étais obligé de compenser sur cette seconde partie, qui est très très sinueuse, encore une fois, pour doubler, c'est impossible. On tourne sur la droite, et à partir de là, enfin, on peut commencer à appuyer sur les pédales pendant, allez, une vingtaine, trentaine de secondes d'affilée, parce que sinon, ça fait que de tourner, ça fait que de relancer. Le circuit, on le fait en moyenne en 1 minute 30, le tour. Donc, en fait, il n'y a que cette partie-là du parcours où on peut vraiment appuyer sur les pédales pendant longtemps. Du coup, bah, je suis derrière, et ça part à bloc, direct. C'est pleine bourre, et impossible de remonter me placer à l'avant. Qui dit mal placé dit relance accentuée, regardez, plus de 1000 watts et j'arrive pas à suivre le peloton. Alors certes on vient de partir, je suis pas forcément très très chaud, mais c'est hyper compliqué pour moi aujourd'hui. Le début de course est compliqué, hein. C'est compliqué, mais je sais qu'au bout de la route, on tourne sur la droite quasiment à l'arrêt, donc les 5-6 mètres de retard que j'ai ici, j'ai juste à freiner un tout petit peu plus tard et je pourrais boucher le trou, ce qui se passe ici, et c'est ce que je vais faire pendant pas mal de temps sur ce circuit, parce que je m'en rends compte que bah, les jambes sont pas trop au rendez-vous. Après ma 3e place d'hier, c'est pas forcément une fatigue liée à la course d'hier, parce que hier j'étais hyper économe, hein. J'ai pas vraiment forcé non plus, mais juste, on est la 9e course d'affilée, même si j'en ai abandonné 2, j'ai quand même mal aux jambes, c'est dur dans la globalité, et surtout, j'ai beau m'être beaucoup échauffé, parce que je savais que ça allait partir vite, et que ça allait être un circuit qui allait demander énormément d'intensité, eh bien, j'arrive pas à me mettre dans le rythme. Déjà, j'arrive pas à passer les virages très très rapidement, parce que vraiment, ça fait peur, hein. On arrive très très vite dans ces rues très sinueuses. C'est vrai que c'est hyper joli, le village, c'est hyper sympa, mais c'est hyper difficile à manier, et vraiment, tu te fais peur à des vitesses aussi élevées quand ça roule dans les virages comme ça. Donc, maintenant, va falloir que je me reprenne, et surtout que je remonte me placer un peu mieux à l'avant du peloton. Ça fait 8 bornes qu'on est parti et ça commence à être vraiment difficile. Je me tape toutes les relances x10 parce que je suis mal placé. Et vraiment, je me dis, qu'est-ce que je fous là? J'ai pas envie. Et vraiment, là, je me dis, c'est trop dur. J'ai plus envie. Et j'ai un manque de motivation qui est réel. Déjà parce que Nathan, il est pas au départ et ça joue. En plus de ça, je sais que le soir, j'ai 6 heures de voiture pour rentrer à Nantes, ça joue. Et surtout, j'ai fait mon podium, donc mon objectif principal, il est rempli. Et même si, évidemment, j'aimerais bien refaire un podium aujourd'hui, là, je me sens en difficulté. Regardez mon cœur, je suis à 170 BPM. Si vous avez suivi les courses précédentes, ça fait 2-3 courses que mon cœur, il monte pas trop au-dessus de 160. Parce que je suis fatigué et la fatigue fait que mon cœur monte plus très haut. Donc là, quand je suis à 170, c'est que je suis complètement à bloc. Et j'ai du mal à suivre les roues du peloton. Et on parle pas de partir en échappée ou quoi que ce soit. Là, je suis en difficulté juste pour suivre le peloton. Et en plus, je me rends compte, il y a des cassures de partout. À l'avant, c'est en train de sortir un par un. Et je me dis, mais c'est une catastrophe. J'ai pris le départ, certes, bah pour pouvoir être classé au classement général, parce que c'était obligatoire de participer à la finale pour être classé au classement général. C'était donc important que je sois au départ. Parce que quand tu prenais le départ des 9 étapes, t'avais 10 points bonus au classement général. Et c'était important aussi parce que, bah, évidemment, le circuit, c'est le circuit le plus plat de la semaine, entre grosses guillemets, parce qu'il y avait quand même ce petit côte qui faisait bien mal aux jambes. Donc même si j'étais venu ici pour faire un podium, vraiment là, je vais essayer de remonter me placer, mais je m'en rends compte, je suis vraiment vraiment en difficulté aujourd'hui là. Et c'est après 10 tours complètement à bloc que je vais enfin réussir à monter à l'avant du peloton, et c'est à ce moment-là que du coup ça va attaquer, et regardez, à la pédale, je me fais sortir à 600 watts. Vous le savez, je suis capable de faire bien mieux, mais là, j'y arrive pas. Vraiment, je suis pas dedans. Dans la tête, je subis un petit peu. On a 65 tours de parcours à parcourir. Il y a un peu plus d'un kilomètre autour. Et les tours, ça revient très très vite, hein. Et du coup, je suis dans un truc où dans ma tête,
tu sais, je pédale, je réfléchis pas et je suis dans un rythme monotone. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je suis pas vraiment dedans dans ce début de course. Et plus je subis avec les relances, comme ici par exemple, plus je me dis, mais pff, j'ai envie d'arrêter. Globalement, j'ai envie d'arrêter. Sauf que je me dis une autre chose, c'est que de toute façon, pour récupérer mes sous pour le classement général, quoi qu'il arrive, je suis obligé d'attendre la fin de la course. Donc quitte à attendre la fin de la course, autant me battre un petit peu, finir la course, et peut-être que j'irai chercher un résultat. J'essaye de me motiver comme je peux, et du coup, voilà, je m'accroche, mais vraiment, c'est difficile. Et en plus de ça, ça roule très fort, hein, parce que regardez, je suis toujours au-dessus de 70 BPM, et ça tire les jambes très très fort, et petit à petit, regardez, il y a des cassures qui se créent. Le coureur de Gironde avec le vélo rouge, c'est celui qui a gagné la course d'hier, donc il a gagné la course où je fais 3, donc lui, il est fort, regardez. Il fait le jump directement, il se fait pas avoir par des cassures. Lui, il est en train de jouer le classement général. Il est dans les premières égalités. S'il fait une bonne place aujourd'hui, il peut partir avec le maillot jaune. Donc lui, il fait pas l'erreur, il prend pas la cassure. Moi, je suis à 176 BPM et j'arrive pas. En fait, là, faudrait que je fasse le jump. Le coureur devant moi, il est en train de me faire une grosse cassure. Mais malheureusement, je suis pas capable de rouler. Je suis en mode, bah vas-y, roule. Enfin, moi, j'abandonne la vie. Je reste dans ta roue et je ne bougerai pas parce que je suis à bloc. Heureusement, il y a d'autres coureurs qui vont finir par nous ramener. On va pouvoir, comme ça, petit à petit, revenir sur cette avant-course. Là, la partie du peloton qui est sortie. Mais c'était un petit rappel à l'ordre qui me dit que si je me bats pas un peu plus fort, on va finir par vraiment se faire sortir du peloton, là. Et encore une fois, dans la grosse relance après la côte, au même endroit, même chose, un autre coureur me fait une cassure. Et moi, même si j'arrive à tenir dans les roues quand même, je suis à bloc, mais j'arrive à suivre de manière linéaire. Par contre, quand il y a des cassures, je suis pas capable de boucher les trous. Quand je loupe le virage, parce que ce virage-là, je le loupais de temps en temps, j'avais un peu de mal, bah, je galère à boucher les trous. Et là, à l'avant, le peloton est en train d'exploser en littéralement deux morceaux. Il y a une échappée de 20 coureurs quasiment qui est en train de se constituer et j'en fais pas partie. Donc là, à ce moment-là, je me dis, oh là, catastrophe, alerte, alerte, il faut vraiment qu'on se batte parce que là, il y a dans l'échappée tous les leaders du classement général, donc c'est-à-dire le maillot jaune, le 2, le 3, le 4, tous les mecs du classement général, globalement, ils sont dedans. Et là, je me dis, oh là, c'est une catastrophe. Je suis vraiment en train de faire n'importe quoi. On a fait 24 tours sur les 65 à parcourir. La course va être encore très très longue. Et là, au 30e kilomètre, on va partir pour 11 minutes d'effort ultra intense. Effectivement, ce qui se passe, c'est que déjà, je commence à aller un peu mieux. Parce que forcément, plus ça va, plus bah, y a des mecs qui sont sortis. Donc plus ça va, plus c'est simple d'être placé à l'avant du peloton avec le peu de coureurs qui restent. Et du coup, plus je suis placé, plus je peux souffler et moins subir la relance, particulièrement ici, après la côte. Donc du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'on a des coureurs qui vont rouler très très fort à l'avant du groupe du peloton, donc deux coureurs d'histoire. Alors il me semble que sur ces deux coureurs-là, il y en a un des deux qui était placé genre 5e du classement général. Donc là, son objectif, lui, bah, ça va être de revenir sur l'échappée aussi, même s'il a un coureur dans l'échappée qui est lui aussi 3 ou 4e du général. C'est important pour lui de revenir sur l'échappée pour sa propre carte du général. Donc là, je me dis, ok, faut que je reste dans la roue, je m'accroche et normalement, ils vont me ramener sur l'échappée, le peloton quasiment qui est devant nous. Donc il y a une vingtaine de coureurs qui sont sortis à peu près, je dirais. Et je reste focus, je garde la roue, mais par contre, je leur prends aucun relais. Vous pouvez le voir, je suis un peu en difficulté. On voit le peloton au bout, là-bas, au loin. Ils ont pas mal d'avance, mais on les voit encore, donc ça veut dire que c'est jouable. On peut encore revenir sur eux, on a peut-être allez, 15 secondes de retard sur eux, 20 secondes, c'est jouable. On peut encore faire le jump avec le travail de ces deux coureurs. On est réellement en train de revenir sur le petit peloton de tête. Et ce que je savais pas encore, c'est que dans le peloton de tête, il y a eu d'autres coureurs qui sont sortis. Et en l'occurrence, leur équipier, Paulin, il est ressorti du peloton de tête. Ce qui fait qu'en fait, là, ils roulent, mais ils sont pas en train de ramener tout le monde sur Paulin. Paulin, il est déjà ressorti. Bon, ça, je le savais pas encore à ce moment-là. Donc là, je reste focus. Il faut absolument que je m'accroche, parce que c'est un moment décisif. Donc, je prends pas les relais, parce que je veux garder mon énergie. Et globalement, pour l'instant, tant qu'on n'est pas revenu sur le petit groupe devant nous, on joue plus rien. Là, il n'y a plus trop de place à jouer. Donc ça roule très très fort, mais j'essaye d'en faire le moins possible, vu l'énergie que j'ai aujourd'hui.
Et après 5-6 minutes où on a roulé quand même bien fort pour essayer de rentrer sur le groupe, ça a cassé derrière. Vraiment, il y a eu une grosse cassure. On est 5-6 à être sorti du peloton, le reste du peloton, et on a fait un beau trou. On a réussi à piéger Louis qui est dans les 10 premiers du général. On a réussi à piéger 2-3 coureurs comme ça, mais surtout, on est sorti du peloton. Donc là maintenant, il va falloir s'organiser pour essayer de revenir sur le peloton de tête. Et du coup, bon, je vais prendre un petit relais pour essayer d'organiser un petit peu la chose. J'ai pas envie de faire trop d'efforts, je vais être sincère, j'ai pas envie de trop aider parce que c'est plus ma course quasiment. Il y a les mecs du général qui se battent un petit peu pour les points du général. Moi, le général, je m'en fous. Le seul truc que je veux, c'est un autre podium, si possible. Donc, j'essaye de faire le moins d'efforts possible et j'ai qu'une seule espérance, c'est qu'on revienne sur la tête de course et que là, de nouveau, je puisse jouer un podium. Après quelques tours où ça roule très vite, il y a le coureur de Saint-Michel qui s'agace un petit peu parce que tout le monde ne prend pas les relais, moi le premier. Mais c'est vrai que bah, y a les coureurs d'histoire qui sont intéressés par le général, qui roulent très très fort à l'avant. Il y en a un qui se sacrifie pour l'autre, il me semble. Voilà, moi j'ai pas trop l'intérêt à rouler pour eux, sincèrement. Je garde mon énergie et je me rends compte que petit à petit, on est en train de perdre du temps sur le groupe de devant. Et là je me dis mince. Là par contre, si on perd du temps sur le groupe de devant, c'est pas ce que j'avais prévu. Moi ce que je voulais, c'était revenir sans forcer. Si on revient pas, là c'est pas une bonne idée. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un très gros relais pendant quasiment l'entièreté d'un tour. Moi, je veux pas ramener tout le monde, je veux revenir. Et si je peux revenir tout seul, ça m'arrangerait parce que moins on est nombreux devant, plus j'ai de chances d'aller loin. Donc là, je vais prendre une énorme relais dans la côte. Je vais renchaîner avec une très grosse relance et là je me lance dans un effort en solitaire, même si je le sais, dans ma roue les autres membres de mon groupe de contre n'ont pas sauté, hein, ils sont toujours au contact de ma roue, mais je vais continuer mon effort parce qu'en fait le circuit il est tellement sinueux que on peut pas vraiment prendre des relais comme on a l'habitude, c'est à dire tourner tous les 30 secondes. Là faut prendre des relais quasiment d'un tour complet si on veut être efficace. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire un très gros relais sur un tour quasiment complet. Déjà, on aperçoit le peloton qui est devant nous. On est en train de rentrer. Donc là, je vais faire un énorme relais dans cette partie la plus longue où on pouvait appuyer sur les pédales. Je vais appuyer très fort sur les pédales. Regardez, avec 600-700 watts, faut revenir le plus vite possible pour stopper l'hémorragie. 180 BPM, je me suis mis à bloc, mais ça y est. On est revenu au contact de l'échappée. Et dans l'échappée, bah, il n'y a plus que 6-7 coureurs. Et là, je me dis, ça sent pas bon. Il est où, Paulin? Parce que lui, il est quatrième du général, Paulin, de Issoire. Donc, je me dis, ah, il y a Paulin qui est sorti. Et au moment où on revient, regardez, il y a 3 coureurs qui attaquent. Direct. Là, je viens juste de rentrer, je suis à 183 BPM, et ils attaquent direct. Et ils ont eu tellement raison. Parce que du coup, moi, je suis à bloc, je peux pas y aller. Les mecs avec moi, je pense que je les ai quand même mis un petit peu à bloc, mais ils sont pas capables d'y aller non plus. Et les mecs avec qui ils étaient, ils ont pas l'air de vouloir y aller non plus, parce qu'ils se regardent. Ils sont, bah, y a le maillot jaune, et il y a le coureur de Gironde avec le vélo rouge, qui lui est actuellement 2 ou 3ème du général. Donc, globalement, ils ont trop géré d'avoir attaqué à ce moment-là. Et regardez là, je vais faire une grosse cassure. Alors là, ça s'est joué un petit peu au moral, je vais pas vous mentir. Quand le gars se couche devant moi, j'ai un peu la flemme de y aller parce que bah, j'étais à bloc, on vient juste de rentrer sur l'échappée, ils font que de l'attaquer. Là je me dis, waouh, c'est dur. Alors heureusement, ça va pas trop me porter préjudice parce qu'on va finir par revenir sur le maillot jaune et le gars de Gironde. Par contre, on va pas revenir sur les 3 coureurs qui sont sortis tout à l'heure. Ça, c'est très problématique parce que du coup, il y a au moins Paulin qui est sorti de l'échappée à un moment. Je sais pas s'il est tout seul ou s'il est avec d'autres coureurs. Et y a 3 coureurs de plus qui sont sortis. Donc là, il y a 5-6 coureurs qui sont dans la nature, quelque part sur le circuit. J'ai aucune information, je ne sais pas combien d'avance ils ont. Je sais pas, je suis perdu. Mais dorénavant, je suis dans l'échappée, on va dire, dans le groupe de compte, comme vous voulez. Mais on joue quand même une bonne place. Et ça, c'est cool, parce qu'il y a quelques tours, j'en étais très loin. Ça va continuer de rouler très vite pendant les tours suivants, et à un moment ça va se regarder. Là je vais faire une grosse attaque, je me dis allez, on tente le tout pour le tout, on est à mi-course, avec un peu de chance ils vont me laisser sortir. Je suis personne, pourquoi ils viendraient me chercher? Et là au même moment, il y a Léo Casados, il me semble, qui place une grosse chiche, et là, incapable d'y aller. J'ai beau mettre tout ce que j'ai, regardez, 900 watts et tout, je suis incapable de le suivre. Vraiment, il était monstrueux, il a gagné la veille à Saint-Mamet, et moi, là, bah, à la relance,
Je me couche, je m'écarte et là je dis au maillot jaune, désolé mais je peux pas y aller. Et le pauvre, lui qui a été deuxième toute la semaine au classement général, il a jamais porté le maillot jaune. C'est la première journée où il porte le maillot jaune, il porte les responsabilités du groupe, parce que c'est à lui de rouler, vu que le mec devant qui vient d'attaquer, il est 2 ou 3ème du général après sa victoire de la veille. Donc là, Lubin, qui est actuellement maillot jaune, il est obligé de rouler. Et là, je lui dis, désolé mec, mais je peux pas t'aider, je suis à bloc, je suis vraiment nul. Et du coup, il y a le coureur de Gironde qui est sorti, et il est très très bien sorti, parce qu'on ne le reverra pas. On se retrouve quelques tours plus tard, moi j'ai bien analysé le truc, j'ai vu qu'il y en a 3 qui sont sortis qu'on n'a jamais revu. Il y a Léo qui est sorti, on l'a jamais revu, et sur cette partie précisément, je suis le plus rapide, a priori. Donc là, je vais mettre une grosse attaque, je mets tout ce que j'ai globalement, je me pose pas trop de questions, et je me dis, je suis pas placé au général, il n'y a pas de raison qu'ils viennent me chercher. Donc si je sors et que je prends de l'avance, ils devraient me laisser tranquille, et une fois que j'aurai de l'avance, normalement, vu le nombre de virages qu'il y a et tout ça, je devrais pas me faire rattraper par un gros peloton comme l'échappé derrière moi là. Donc vraiment, faut que je fasse la différence, mais une fois que je l'aurai fait, il y a vraiment des chances que ça se fasse bien. Il y a un coureur qui a fait un tout droit là, dix soir, il a loupé son virage tout seul, il est arrivé trop vite, il s'est foutu en l'air. D'ailleurs, je l'ai vu à l'arrivée, et bon rétablissement à toi, mais c'est vrai que c'est dommage. Et là, je me retrouve tout seul, donc là, je me concentre un petit peu sur mon effort, mais en fait, le peloton me laisse pas partir. Alors, je comprends pas pourquoi, parce que vraiment, au classement général, j'ai aucune chance de remonter sur le maillot jaune. Hein. Vraiment, je suis beaucoup trop loin. Je suis 16e au départ de cette course. Vraiment, aucune chance de les gêner au classement général. Donc, j'ai beau pas être dangereux, ils ne me laissent pas sortir, alors que le numéro 3 et le numéro 4 du général sont devant. Et moi, non, ils veulent pas. Donc là, je vais me coucher et je vais laisser passer les mecs en leur mode, je vais récupérer et attendre un peu plus tard pour tenter ma chance. Et c'est seulement quelques tours plus tard que je vais décider de placer une nouvelle attaque, une nouvelle accélération, parce que je m'en rends compte, le groupe, tout le monde est un petit peu à bloc, ça se regarde pas mal, et du coup, personne ne veut trop faire les efforts. Donc là, je me place devant le groupe, à l'entame des virages techniques, je me dis, je me mets en première position, et à la sortie du virage, vas-y, je mets une grosse chiche, et c'est ce que je vais faire, du coup, j'attaque. En plus de ça, j'avais prévu le coup, j'avais mis dans ma roue un mec qui est pas trop habile dans les virages, comme ça, il va me laisser un trou, et du coup, je mets tout ce que j'ai encore une nouvelle fois, j'essaye d'insister en me disant, une attaque, plus une attaque, plus une attaque, ça va peut-être finir par craquer, ça va peut-être finir par laisser partir, et ils vont peut-être me laisser tranquille, mais malheureusement, j'ai beau envoyer beaucoup, beaucoup de puissance, j'arrive pas à faire la différence. Vraiment, les mecs, soit je suis trop juste, soit ils veulent pas me laisser partir, je sais pas, je peux pas vous dire, mais ce qu'il en est, c'est que je n'arrive pas à sortir de ce peloton, donc je vais me remettre derrière, et je vais me refaire une santé. Et c'est à moins de 10 tours de l'arrivée qu'il va se passer le truc que je ne voulais absolument pas. Le peloton va revenir sur nous. Et là, je me dis, oh non, la catastrophe. Là, on jouait une bonne place quand même. Hein. Il y en avait 5-6 qui étaient sortis, mais le top 20, il était super simple à atteindre parce qu'on était moins de 20 dans l'échappée. Donc du coup, quoi qu'il arrivait, je marquais des points au classement général. Et là, ça y est, le peloton est revenu. Et au même moment, l'échappée nous met un tour. C'est-à-dire que il y a Paulin, le mec qui est sorti tout à l'heure avec le canyon rouge, pareil. En gros, les mecs, ils nous ont mis un tour. Ils nous ont mis 1 minute 30 en seulement pas beaucoup de temps. Donc c'est vraiment, ils ont roulé très très vite, très très fort. Ça prouve que ils sont en forme. Et eux, ils sont vraiment en train de jouer le maillot jaune. Hein, que ce soit Paulin ou Léo, là, ils jouent le maillot jaune, clairement. Et d'ailleurs, le maillot jaune, lui, il le sait. Il a un tour de retard et globalement, même s'il gagne le sprint du peloton, il y a très peu de chances qu'il aille chercher le maillot jaune à la fin de la journée. Donc là, il est un petit peu désespéré, le pauvre, et je le comprends. Donc là, moi, la situation, c'est que on joue plus les 5 premières places, à peu près, 5-6, j'en sais rien, parce que ils ont un tour d'avance, donc là, c'est mort, on peut plus les battre. Et en plus de ça, le peloton est revenu sur nous, donc là, situation désespérée. Et du coup, le fait de se faire reprendre, ça a quand même vachement ralenti le rythme. Et même les 3 coureurs qui sont sortis tout à l'heure, rappelez-vous, là, le coureur 27 qui est devant moi, il me semble, ils sont revenus sur nous aussi. Donc en fait, là, ça y est, il y a tous ceux qui étaient sortis du peloton depuis tout à l'heure, nous ont mis un tour. Donc là, on n'a aucune chance de revenir dessus. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de sortir du peloton, espérer prendre de l'avance aussi. C'est donc ce que je vais essayer de faire une nouvelle fois. Je me suis bien refait une santé, j'ai bien récupéré. Et là, regardez, il y a un gros mouvement de flottement à cet endroit-là du circuit. L'endroit où je suis le plus puissant, le plus fort, et l'endroit qui me correspond le mieux. Je place une grosse attaque, là, 1400 watts. Je mets
vraiment là beaucoup, beaucoup d'énergie dans cette attaque. Et je fais un petit trou. J'arrive à faire le petit truc qui me manquait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire décrocher les coureurs de Maro. Sauf que bah, y a ce virage-là qui permet un petit peu quand même aux autres de revenir au contact. Je remets tout ce que j'ai dans la ligne droite de l'arrivée. Je le vois bien, je suis pas aussi aérien que la veille. Regardez, j'arrive pas à rester au-dessus de 500 watts. Je m'en rends compte d'ailleurs pendant que je le fais. Mais bon, maintenant que c'est parti, je continue de faire avec ce qui me reste dans les jambes. Maintenant, on va attaquer la côte du circuit. Je suis toujours seul, hein, ils sont pas encore revenus sur moi. Je vais la monter à bloc de chez à bloc. De toute façon, j'ai dit une seule chose avant le départ, c'est que je ne ferai pas de sprint massif. Je ne veux pas tomber pour une place anecdotique. Ça aurait été pour la victoire, c'était autre chose. Mais là, dorénavant, on joue un top 10, quoi, globalement, au mieux. Donc, je ne veux pas tomber sur un sprint massif pour un top 10 parce que j'ai 6 heures de voiture après, faut que je rentre à Nantes. Je peux pas tomber, j'ai pas le droit de tomber. Donc, je mettrai tout ce que j'ai avant, mais je ne ferai pas de sprint massif. Et là, malheureusement, regardez qui est dans ma roue, le maillot jaune. Et là, je comprends pas trop parce que bah, le maillot jaune, pourquoi il roule sur moi alors que je suis pas du tout placé au général? Je pense qu'il comptait un petit peu sur moi pour faire la différence parce que j'étais quand même un bon allié d'infortune pour essayer de le faire rouler plus vite, globalement. Mais c'est vrai que là, j'aurais bien aimé qu'ils me laissent sortir. Malheureusement, bon, c'est le jeu. Ils m'ont pas laissé sortir. Donc, bah, je me suis fait reprendre et j'ai fait encore une fois un effort ultra conséquent pour rien. Et après mon effort, sur un tour, ça a roulé très vite avec ce gars de Gironde. Donc là, je me dis, tout le monde est à bloc. Je suis moi-même à 184 BPM. Donc si moi, je suis à bloc, peut-être que tout le monde l'est. Je décide de placer une nouvelle accélération. Mais cette fois-ci, elle est un petit peu moins tranchante. Et malheureusement, bon, bah, c'est un peu difficile, du coup, forcément, quand tu fais des attaques un peu moins tranchantes, de faire la différence. Mais je continue de faire l'effort, hein. Vraiment, je mets mes dernières cartes. Ici, je mets vraiment mes dernières forces, je sais que c'est la dernière chance que j'ai d'aller chercher un résultat. J'aimerais tellement réussir à finir en solitaire ici à 5 tours de l'arrivée, faire les 5 derniers kilomètres tout seul. Ça serait incroyable pour finir cette semaine cantalienne. Donc je vais mettre tout ce que j'ai, je me pose plus de questions parce que je le sais, si je me fais reprendre, j'arrête. Enfin, je finis tranquille, je ne prendrai plus de risques. Donc je me pose pas de questions quoi, j'appuie sur les pédales et je me dis que ça, ça peut vraiment faire la différence, parce que derrière, eux, ils veulent tous aller chercher un résultat, donc ils vont peut-être pas mettre 200% de leur énergie pour revenir sur moi. Et encore une fois, je sais pas si c'est parce que je n'ai pas été transcendant, est-ce que je n'ai pas été assez fort, pourtant j'ai quand même mis des gros watts hein, sur ces attaques-là, je me suis mis vraiment minable, est-ce que le circuit était pas... Enfin, est-ce que j'étais pas assez rapide dans les virages, ça se trouve je freinais trop, et du coup ça leur permettait de revenir sur moi, mais ce qu'il en est, c'est que ça y est, ils sont une nouvelle fois revenus sur moi, et du coup, bah, ça y est. Ma course est terminée, j'abandonne, j'arrête, je les laisse passer, je me mets en dernière position du peloton et maintenant c'est terminé pour moi. Il nous reste 2 ou 3 tours à parcourir, le peloton est toujours fusionné avec l'échappée, bon, c'est n'importe quoi mais c'est comme ça. Du coup, moi j'ai pas envie de gêner, je me dis que ça va frotter, ça va tomber, donc je me mets en toute dernière position du peloton et je vais même les laisser partir. Je les laisse prendre de l'avance parce que dorénavant, vu que l'échappée elle a un tour d'avance sur nous, ça veut dire que c'est leur dernier tour pour eux, ils vont jouer leur vie. Moi, je veux pas tomber, je les laisse partir et je vais faire mes 2-3 derniers tours tranquille, tout seul, à ma vitesse, je prends pas de risque. Devant, ils vont se jouer leur vie parce que bah, y a le classement du maillot jaune à faire et pour le coup, bah, ils ont raison. Moi, je finis tranquille et au final, vu que bah, y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont bâché avant la fin de la course, on n'était que 40 au départ, bah, au final, je vais placer la ligne en 18e place. Je suis quasiment l'une de mes meilleures positions de la semaine. Je marque des points au classement général. Que demander de mieux pour quelqu'un qui a fini tranquille? Bon, voilà, je viens de terminer la dernière étape de la semaine cantalienne. Pour vous faire un petit résumé aujourd'hui, bon, j'ai pas trop kiffé le circuit, pour être sincère. Je voulais pas prendre de risque sur la fin, j'aurais pu faire le sprint massif pour la, je sais pas, je pense 12e place. Mais il faut que je rentre à Nantes ce soir, j'ai 6 heures de route de voiture à faire. Donc je voulais pas me foutre tas pour un sprint massif pour la 11e place. J'étais venu cette semaine dans l'objectif de faire un podium, j'ai fait mon podium hier. Je rentre avec l'objectif accompli, donc je voulais absolument pas prendre de risque aujourd'hui. Parce que voilà, à un moment, je travaille demain pour rentrer à la maison et à la voiture. J'ai tenté sur la fin, j'avais dit, je tente le tout pour le tout avant le massif. J'ai tenté 2 fois, j'ai pas réussi, j'étais pas très très fort aujourd'hui. Donc j'ai fait ce que j'avais dit, j'ai bâché la course et puis enfin, j'ai fini pour marquer des points au cas où y avait peut-être moins de 20 personnes devant, je sais pas trop. Je sais pas combien je vais faire aujourd'hui, ça se trouve je vais faire dans les 20 et marquer quelques petits points, ça se trouve non. Peu importe, maintenant je vais aller voir le classement général et avoir le classement définitif de cette semaine cantalienne.
Et pendant ce temps-là, Léo apprend qu'il gagne le maillot jaune sur le fil pour quelques points seulement lors de cette dernière étape. Bravo à lui, ils étaient super contents avec son équipe, tu m'étonnes, après 9 jours de course. Et avant de conclure cette vidéo, n'oubliez pas de liker, c'est toujours aussi important, c'est vrai que je vous le répète souvent, mais ça aide vraiment, et grâce à vous, la chaîne grandit de jour en jour. Et si vous ne faites pas encore partie de l'équipe, bah je vous invite à vous abonner, comme ça vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos, et il y a du lourd qui arrive. Bon, dernière étape terminée, je termine 18ème, bon je marque quelques petits points, vous l'avez compris, j'ai pris aucun risque, ça servait à rien de me foutre en l'air alors que j'avais 6 heures de voiture juste après pour rentrer à Nantes, mais c'est vrai que un petit peu déçu, j'ai pas eu trop de bol et surtout j'ai eu du mal à me mettre dans la course de par le placement, le moral qui était pas forcément au top et c'est vrai que le fait d'avoir fait mon podium la veille, j'avais un petit peu réussi mon objectif et du coup j'étais peut-être un peu moins motivé sur cette dernière étape. Ce qu'il en est, c'est que c'était hyper important de prendre le départ parce que ceux qui ne prenaient pas le départ de la dernière étape n'étaient pas classés du tout au classement général. Ils sont éliminés du classement général. C'est-à-dire que c'était obligatoire de participer à cette dernière et 9e étape et c'était aussi important de participer aux 9 étapes parce que quand tu faisais les 9, tu avais 10 points bonus pour le classement général. Ce qui fait que quand j'ai pris le départ de cette 9e étape, j'étais 16e. Du classement général, donc c'est pas trop mal grâce à ma 3e place de la veille, mais le plus important c'était de rentrer dans le top 15. Pourquoi ? Parce que déjà le top 15, bah, ça sonne bien, et en plus, on va pas se le cacher, c'était seulement les 15 premiers qui gagnaient de l'argent suite à leur classement. Donc c'était pour moi un objectif que de rentrer dans le top 15 au classement général pour gagner quelques euros et rembourser un petit peu l'essence. Donc là, en prenant le départ en 16e position, je savais que de par ceux qui n'étaient pas au départ, normalement, je remontais forcément dans le top 15 parce qu'il y en a plein qui allaient être éliminés. Par contre, je ne savais pas du tout combien j'allais réussir à me placer. Et la finalité, je finis 8e du classement général de cette semaine cantalienne, ce qui est un classement plutôt honorable, je dirais, c'est un classement moyen. J'ai été quand même chercher une 3e place, une 6e place et une 10e place. Après, j'ai fait 18, 21, 21 et 28, je crois. Donc, c'est pas trop mal, le bilan il est plutôt bon, déjà je reviens avec le meilleur résultat de ma vie, donc ça c'est clair, c'est top. Là où on pensait que le niveau serait peut-être un peu plus bas qu'en Pays de la Loire, parce que le Pays de la Loire est très réputé pour avoir un gros niveau, eh bien pas du tout, Nathan trouve que le niveau avait été beaucoup plus élevé durant cette semaine cantalienne par rapport au Pays de la Loire. Moi, qui n'ai pas l'habitude d'être à l'avant, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez similaire au Pays de la Loire, tout simplement aussi parce que cette semaine cantalienne elle a emmené beaucoup de coureurs. Il y a des coureurs qui venaient un peu partout, il n'y avait pas que des gens du Cantal finalement, donc le niveau, il était très relevé, les mecs qui venaient de loin comme nous, ils venaient pour gagner. Donc c'est vrai que le niveau, il était quand même difficile, et c'est d'autant plus cool du coup d'avoir fait mon podium ici. Comme vous l'avez compris, dès l'épisode 1, j'avais pas forcément de prétention au classement général, donc 8e, je suis content. Je gagne 40 euros, pour vous donner un ordre d'idée sur ce classement général, grâce à cette 8e place, qui va me permettre de payer l'essence pour rentrer à Nantes. En tout cas, dans les commentaires, vous avez été très nombreux à me faire comprendre que vous avez adoré ces 4 épisodes de la semaine cantalienne. Donc merci beaucoup, merci pour votre engouement. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain. Je vais participer aux 24 heures du Mans vélo. Ça va être incroyable, c'est un événement qui est juste unique. L'année dernière, vous avez adoré les 24 heures du Castellet. Cette année, vous allez voir, on a créé une équipe de 6 youtubeurs vélo. Donc ça va être incroyable, vous allez, je pense, kiffer la vidéo. Moi, je vous donne donc rendez-vous sur cette vidéo qui va être hyper importante. Je compte sur vous aussi pour être au rendez-vous. Et du coup, on se retrouve vendredi prochain à 18h. Bye bye.